Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de Shiba, nous allons parler de sa blockchain, voilà, le Shibarium. Alors nous allons rentrer un peu dans les détails pour donner un peu, voilà, les prévisions que le Shiba fait et puis aussi, voilà, les différentes informations, voilà, que Satoshi Kusama, voilà, lance à l'endroit, voilà, de la Shiba Army. Alors, après ceci, nous allons parler aussi un temps soit peu du halving parce que nous sommes à moins de 112, voilà, on va dire, du halving. Ensuite, nous allons parler aussi, voilà, des échangeurs centralisés et puis voilà le tarissement du BTC à ce niveau. Pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Alors, Satoshi Kusama, voilà, par rapport au Shibarium, lance un appel à la Shiba Army, à toutes, voilà, tous les fanatiques du Shiba. Alors, il lance cet appel, voilà, on va dire appel à candidature. Un appel est lancé à toute la Shiba Army pour des projets innovants, c'est-à-dire toute personne qui a un projet qu'il veut faire partager à la communauté. Alors, vous êtes invité à aller dans le Shibarium pour, voilà, expliquer votre projet, le livre blanc, qu'est-ce que vous voulez faire et tout ça au bénéfice de la communauté. Alors, ce sont des projets innovants, alors, qui ont été, voilà, demandés. Alors, vous pouvez partager vos idées, vos projets, votre vision. Alors, on vous demande de faire découvrir, voilà, ce que vous faites mijoter dans l'ombre, voilà, en coulisses. Alors, le Shibarium vous invite à venir partager vos différents projets et ces projets-là vont être financés, voilà, et ces projets maintenant vont bénéficier à toute la communauté. Voilà un peu le dynamisme que le Shiba met en place. Alors, pour ce fait, vous partez, voilà, sur Shibarium Tech, voilà, shibariumtech.com. Pour ceux qui veulent soumettre leur projet, vous partez, vous remplissez le formulaire sur shibariumtech.com. Voilà, et c'est là que vous pouvez maintenant, voilà, soumettre vos différentes idées, vos projets. Voilà, faites attention, n'allez pas cliquer sur un lien bizarre là-bas. Si vous ne pouvez pas trouver, allez directement sur le Twitter officiel de Lucie. Alors, les liens sont là-bas. Je vais aussi laisser aussi en description de cette vidéo pour ceux qui veulent directement, voilà, cliquer dessus pour aller, voilà, soumettre leurs projets si vous avez des projets intéressants. Alors, cela met en relief quoi? Cela met en relief, voilà, le dynamisme de Shiba qui fait toujours participer la communauté dans son fonctionnement. Notons que dans le fonctionnement du Shibarium, alors un bouton de burn automatique a été mis là-bas. Lorsque, voilà, l'accumulation de bons pour les transactions, voilà, les frais sont récupérés, que ça atteint 25 000 $, on récupère ça. Voilà, on paye du Shiba et on brûle. Et n'importe qui peut aller actionner ce bouton dans le Shibarium. Tout ça pour faire participer la communauté. Alors, la Shiba Army, alors, pour ne pas dire, comment on appelle, on peut dire aussi que c'est la communauté la plus active, voilà, au niveau, voilà, même Vitalik l'a dit, même, comment on appelle, plusieurs influenceurs ont reconnu que la Shiba Army, voilà, en tout cas, fait partie, même celui de Tron aussi l'a dit. Alors, la Shiba Army fait partie, voilà, des gens les plus actifs sur les réseaux. Alors, Satoshi Kusama est allé un peu plus loin. Et aussi, il a expliqué aussi cette période que nous traversons, la baisse du Bitcoin et tout ça. Alors, pendant que nous approchons le halving, il explique cela en partant d'un principe de fonctionnement, de cycle. Alors, qui se fait en trois phases. On a la phase baissière, la phase où vraiment il y a la peur sur le marché et tout ça. Alors, cette phase baissière, c'est aussi une phase d'accumulation pour ceux qui savent lire entre lignes. Après, nous avons la phase de réaccumulation. Voilà, cette phase 2 qui est la phase de réaccumulation où ceux qui ont
voilà, encore confiance au marché, vont venir réinjecter de l'argent. Voilà, tout ça stabilise un tant soit peu le marché. Et par la suite, maintenant, nous entamons maintenant la phase haussière. Alors, partant de l'analyse de depuis 2014 jusqu'à maintenant, le même processus s'est déroulé. Alors, cela démontre ici actuellement que nous sommes en prêt actuellement pour aller maintenant vers la phase haussière. Voilà ce qui est voilà, notamment expliqué par Shitoshi Kusama. Alors, il dit que le Shiba est prêt pour un super cycle. Alors, je vous ai expliqué ici que le super cycle, c'est un cycle qui n'a rien à voir avec les autres cycles. C'est un cycle qui ne respecte pas du tout les normes. Alors, personne ne s'attendait à ce que le Bitcoin atteigne déjà son ATH avant le halving. Alors, tout ça, là, c'est un signe noir précurseur d'un super cycle qui pointe du nœud. Alors, que le halving va arriver très bientôt. Alors, les prévisions pullulent de partout. Voilà, certains sont alarmistes, d'autres aussi sont optimistes. Alors, le Bitcoin, voilà, pour certains experts, ira voilà, jusqu'à 600 000 dollars, voilà, jusqu'en 2025. Alors, certains continuent de voir le Bitcoin toujours à 1 million de dollars, l'un dans l'autre. Alors, à partir de ce halving déjà, alors, les couleurs seront annoncées et puis voilà, et voilà, nous allons voir au fur et à mesure ce qui va se passer sur le marché, surtout avec l'ascension des ETF, voilà, l'approbation de ces ETF. Notons que dans quelques jours, voilà, le halving aura lieu. Alors, c'est la période de réduction, voilà, du nombre de bitcoins en circulation. Alors, le nombre de bitcoins va passer de 900 bitcoins par jour à 450 bitcoins par jour. Voilà ce qui va se passer. Alors, quel sera l'impact de ceci sur le marché? Notons aussi que, en tout cas, après toujours le halving, alors arrive la période haussière. Alors, certains experts, même certaines plateformes aussi vont subir de plein fouet aussi tout ce qui va se passer sur le marché. Alors, c'est ainsi que Bybit vient de faire une analyse pointue sur le marché, mais spécifiquement sur quoi? Sur les plateformes centralisées. Bybit aussi est une plateforme centralisée, voilà, qui fait partie des meilleures d'ailleurs. Alors, Bybit dit que d'ici, voilà, 9 mois, alors, les plateformes centralisées vont manquer de Bitcoin. Alors, ils seront en pénurie de Bitcoin selon leur analyse. Alors, ils se basent sur l'accumulation qui est faite par les baleines. Par les baleines qu'on appelle aujourd'hui, voilà, les détenteurs d'ETF, tous les 11 ETF qui ont été validés. Alors, l'argent qu'ils font rentrer sur le marché, quand ils prennent en compte cela et ils mettent en relief, alors, et le rythme auquel les BTC, voilà, les bitcoins sortent des échangeurs centralisés, alors selon Bybit, d'ici 9 mois, alors les plateformes centralisées vont manquer de Bitcoin. Voilà l'analyse qui a été faite par Bybit. Voilà, nous allons rentrer en profondeur de cette analyse plus poussée encore. Voilà, voilà, parce que nous avons déjà parlé de cette analyse ici. Nous avons dit qu'il y a pénurie de Bitcoin. Voilà, Bybit vient de confirmer cela. Mais nous allons aller plus loin encore dans les détails de ce que nous venons de dire ici là. En formation, voilà, la prochaine formation que nous allons faire au niveau de la ville de Korogo, très bientôt, dans quelques jours aussi, nous allons rentrer en profondeur dans cette analyse-là pour expliquer aux uns et aux autres, voilà, quel sera l'impact de tout ceci, voilà, sur le marché. Alors, quand nous regardons aussi le halving qui est en train de pointer du nez, beaucoup de personnes sont en train de paniquer quand ils voient le Bitcoin qui est en train de chuter. Alors, c'est pas la période c'est-à-dire que c'est pas le moment de laisser la peur, voilà, vous envahir. Alors, c'est la période de réaccumulation, comme Fizoshi Kusaba l'a dit. Alors, on va dire même que c'est la dernière période de réaccumulation, voilà, qui est en train de se mettre devant vous. Et si vous n'avez pas vraiment le neutre pour faire les rechargements maintenant, alors ça risque d'être après compliqué parce que la plupart de les crypto-monnaies ont chuté actuellement. Alors, nous avons vu le Shiba qui est descendu, voilà, à 4,022.
4,22€. PP qui allait à 5,05€. Alors, pas mal de crypto-monnaies ont chuté. Même TokenFi a repris 1€. Voilà, il était allé à 0,099. Alors, il avait repris 1€. Voilà, donc, tout ceci, ça démontre un tant soit peu que le marché vraiment est dans une baisse terrible. Alors, c'est que c'est la période d'accumulation. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Pour la prochaine formation, celle de Korogo, c'est prévu, voilà, très bientôt, le 20 et le 21 de ce mois d'avril, là. Alors, rapidement, allez interagir avec le leader Koli, le leader Kofi. Là, nous allons encore rentrer en détail dans ces analyses que nous avons déjà fait ici. 1% a été donné, les 99%, ça serait en formation où vraiment nous allons rentrer vraiment dans les entrailles du Bitcoin, ressortir vraiment tout ce qu'il cache à l'intérieur afin que vous puissiez, à partir de là maintenant, vous projeter aisément pour ce bull market. Après Korogo, nous allons partir à l'international, voilà, à Ouagadougou le 27 et le 28 avril prochain. Voilà, cette fois-ci, vous interagissez avec le leader Alassane du côté de Ouagadougou. Après Ouagadougou, nous allons revenir en Côte d'Ivoire. Voilà, cette fois-ci, dans la ville balnéaire de San Pedro pour la 7e édition cette fois-ci. Alors, ce serait le 24 et le 25 mai prochain avec le grand leader qu'on appelle Tébi Joseph au niveau de San Pedro. Après San Pedro, nous partons interagir avec Abidjan pour la 11e édition cette fois-ci au niveau d'Abidjan. Une édition qui sera encore balèze quand nous allons donner encore plus d'informations, ces analyses encore poussées, des pépites, voilà, pour pouvoir permettre à chacun de tirer vraiment profit avec surtout des analyses, voilà, pointues. Quand on parle de stratégie d'entrée, de sortie, quand on parle de swing trading, tous ces détails-là seront encore plus, voilà, auront plus de profondeur encore que nous allons donner là-dessus, encore, parce que nous n'avons pas eu le temps la dernière fois de rentrer en profondeur parce qu'il y avait tellement de questions, voilà, pendant que nous avons seulement qu'une journée. Donc, il y avait tellement de questions, il fallait aussi satisfaire tout le monde. Mais cette fois-ci, nous allons encore aller plus loin encore pour donner encore. Et voilà. Donc, tous ceux qui avaient été à cette formation à Abidjan, vous êtes invités à revenir, voilà, à la deuxième formation si vous êtes à votre deuxième niveau. Tous ceux qui font aussi d'habitude déjà, alors vous revenez parce que vous allez encore prendre encore vraiment, voilà, beaucoup d'informations. Voilà. Et donc, beaucoup de personnes aussi m'ont appelé après la formation pour me féliciter, voilà, par rapport à la quintessence des informations reçues. D'autres même ont commencé à prendre beaucoup de positions. Ils avaient pris des positions, mais c'était des positions vraiment, voilà, sur l'effet de l'émotion. Mais cette fois-ci, ce sont des positions très sûres qu'ils sont en train de prendre. Et donc, d'autres encore se préparent pour venir frapper encore plus fort. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on finit les formations, on est toujours prêt et on est serein. Les actes que nous posons sont des actes justifiés, sont des actes bien pensés. Voilà, on sait exactement, c'est prémédité ce que nous sommes en train de faire, car nous savons nous, patron. Voilà, après tout ceci, voilà, et donc, toutes ces informations, voilà, et d'autres conférences aussi vont aussi avoir lieu. Pour les zones aussi, qui, telles que Abengourou, Mans, et comment on appelle, Dalowa, toutes ces zones-là qui demandent aussi à avoir aussi leurs conférences aussi. Nous, voilà, on vous demande aussi rapidement de rentrer en contact avec les différents leaders, voilà, ou de rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse rapidement aussi organiser aussi au moins une conférence dans votre zone. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits, avertis aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.